N'a pas une dernière semaine pour le mois de janvier. Amis téléspectateurs, bonsoir. Bienvenue dans le journal sous télévision nationale d'Haïti. Tout de suite, mes grands titres. Président républicain Jovenel Moïse retourné dans le pays hier dimanche là après visite li dans pays Italie côté Lichita Palais à Tokay italien li Sergio Mattarella et puis Pape François. Avant de quitter pays Italie, chef l'État t'a rencontré membre communauté haïtienne en Italie. Ministre éducation nationale et formation professionnelle Pierre Josué Agénor Cadet présenté jodi à grande ligne action ministère apmenin pour améliorer système éducatif là. Ministre là a participé dans 31e conférence pour la presse qui déroulait jodi à dans cadre programme lundi de la presse ministère communication organisé. Plusieurs Haïtiens qui vivent dans le pays États-Unis, dans l'État Floride, décident de mettre tête ensemble une manière pour capable investir dans divers projets de développement dans le pays d'Haïti. Dans ce sens, ils mettent sous pied une structure qui porte nom Brothers Investment Group International, plus passer 3 milliards de dollars américains déjà mobilisés dans le cadre de projet SILA. Kouyo Paris va reprendre dans la faculté sciences humaines lundi 29 janvier à Jean Saté annoncé. Faculté a fermé depuis presque yon l'année. Et puis dans le cadre de célébration 165e anniversaire naissance euro-indépendance cubain, José Martí, yon statut euro dévoilé dans La Havane dimanche 28 janvier 2018 l'an. Statut ça, c'est un cadeau est à New York, La Havane. Amis téléspectateurs, n'a pas invité nous rester branchés. C'est Titiayo à compiler l'autre information qui va le faire essentiel journal lan pour Assoya. You are the one for me, for me. For me, formidable. You are my love, very, 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 véritable. Et je voudrais pouvoir un jour. Toute la gamme des véhicules utilitaires Chevrolet: N300 Passenger Van, Pick-up et Cargo. For me, for you, pour tous vos petits et grands besoins. Chevrolet. Solide coup, wash. Désirable. Dans Alternative Insurance Company, nous toujours à chercher moyen pour nous bâtir sécurité ou besoin pour faire l'argent grandir. Kounia nous offre assurance vie universelle qui c'est une assurance qui permet de serrer l'argent tout. Assurance vie protégée ou avec famille ou dans affaires, dépenses pour l'enterrement, frais l'école, hypothèque pour caillou et l'autre dette. Yon parti nan kop ou paye pour assurance via retenir un compte spécial côté la fait intérêt et puis l'argent a grandi chaque jour. Ou ka utiliser l'argent qui sa ou si l'urgence l'hôpital, ou frais éducation, aménagement caillou ou bien voyage. AIC créé assurance vie universelle pour tête nous ka poser et nous assurer la vie nous, famille nous, ak bien nous. Même si ta vie n'est gros dépense qui vous fait de temps en temps. Grâce à l'assurance vie universelle là, AIC toujours continue à prendre des ventes dans le domaine assurance en Haïti parce qu'elle a travaillé pour le protéger et puis pour le kembe confiance. Yon fois encore nous saluer et puis remercier tout le monde qui branchait téléjournal là pour Assoya. Nos présentations, c'est Linela qui ensemble avec nous. N'a démarré tout de suite avec développement journal ça, n'a commencé avec information une page météorologique là et ses collaboratrices nous Nicole François Célome qui pourra le dire nous qui j'entendais pour Assoya et qui j'en sa à pied pour reste semaine. Bonsoir Nicole.
Salut à tous, avec un peu de plaisir, moi retrouver nous aujourd'hui pour bulletin météo qui j'en condition hier, nous va voir ça qu'on y a sous bassin avec différents images nous. Il y a une zone de haute pression qui chita au niveau Atlantique Nord. Donc c'est situation ça qui kembe condition météo sous Caraïbes centrales là donc sous Haïti pour aujourd'hui. Ça permet à ce que nous gon temps qui réellement sec dégagé donc c'est ça nous kawe avec image ça un ciel complètement dégagé sous pays hein mais gen vent tout qui souffle très fort par rapport à haute pression ça qui drainer en pile vent au niveau pays et cause conditions maritimes ont toujours été agitées et que n'a ça tout à l'heure avec prévision maritime là. Donc ça permet à ce que l'activité la pluie a toujours été limitée jeudi à sous département. C'est seulement de rares petites averses qui ont touché quelques départements, mais pas gain espérance la pluie vraiment au niveau paysan pour jeudi, même voire demain. Pour ça avec les gens qui sont côté de l'océan, encore même situation, son ciel totalement dégagé avec vent qui a soufflé plus ou moins modéré après-midi au niveau Port-au-Prince. Température maximale là aussi entre 30 jusqu'à 33 degrés Celsius. Minimale la descend à 20, encore une nuit qui réellement fraîche au niveau Port-au-Prince avec région avoisinante. Et pas de trop chance tout pour avoir la pluie qui fréquente la capitale pour après-midi. Au niveau page maritime, dans côte nord, golfe de la Gonave, côte sud pays, c'est toujours des vagues très hauts avec vent qui souffle très fort au niveau côtier qui rend la mer réellement agitée. Surtout, il y a côte nord, il y a une interdiction qui kembe pour capitaine, pêcheur, pour personne monde pas monter au niveau côte nord là, par rapport à situation ça qui causait des vagues qui dépassaient 13 pieds donc 4.6 mètres comme ça au niveau côte nord et pour côte sud pays c'est très proche côte là qui plus ou moins accessible pour ta gain quelques activités mais au loge c'est toujours interdit parce que vague réellement très haut au niveau côte sud là et également il y a golfe de la Gonave tout qui toujours gain des vagues qui montaient jusqu'à 10 pieds donc nous connaissons zone d'activité quand même mais demandez capitaine pour être très prudent surtout les fréquenter zone golfe de la Gonave mais quant à côte nord c'est très 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 important c'est interdit pour gain cabotage au niveau côte nord pays jusqu'à ce que situation de retourner à la normale. Et pour finir dans la page astronomique, là, le soleil a couché aujourd'hui, c'est 5h40 et la pluie demain matin à 6h24 au niveau Port-au-Prince. C'est un plaisir pour m'être avec nous pour l'information. Merci pour attention, nous. Bon après-midi, bonne soirée et à très bientôt. Merci Nicole et très bonne soirée. Jean nous t'ai dit dans grand titio président République Lan Jovenel Moïse qui était accompagné première dame Lan Martine Moïse à qui en délégation retourné dans le pays d'Haïti dimanche 28 janvier après une visite 3 jours dans le pays Italie. Dans cadre d'un point de presse qui était occasion tout pour président République Lan présenter bilan voyage li côté li te chita parler avec chef l'église catholique là dans Vatican pape François sous plusieurs dossiers qui gen rapport avec implication jeune yo dans développement pays a chef l'état nation en parler yon l'autre bord sous rencontre li te gagné avec président italien Sergio Mattarella sous rapport coopération de pays yo on suive yon extrait nous te à le rencontrer Saint-Père là, Pape François. On a parlé de problèmes jeunesse là, en Haïti, avec lui. Parce que nous connaissons comment nous avons une population qui est jeune. Ce sont gros opportunités, mais ce sont des opportunités qu'il faut bien gérer pour nous capables de jouer avec ça, pour nous capables de faire servir comme un gros levier pour le développement du pays. Donc on est autorité dans l'église en Haïti. Il y a bien pour entrer en pour parler avec l'autorité qui est dans le Vatican pour nous incessamment qu'on est qui date visite ça qu'a fait nous-mêmes peuple haïtien pour nous préparer nous en conséquence pour nous recevoir pape là. Nous avons rencontré le président italien. Nous connaissons bien comment que italien yo très bon dans la construction de machines, par exemple, si on a parlé d'énergie électrique, nous connaissons un barrage qui est supposé fait sous fleuve Artibonite. On a parlé de barrage Artibonite 4C, qui est un projet qui finit, étudié là. Mais malheureusement, pour côté gens, nous avons mis en commun pour nous être capables
implémenter le projet. L'Italie, c'est un pays qui est plus fort sous la terre, a fait construire une turbine hydroélectrique. Nous avons parlé avec le président sur ça, sur l'affaire énergie. Nous parlons avec lui sur l'affaire touriste là tout, parce que le plus gros tour opérateur qui vient dans le monde tout, c'est italien, oui, ça veut dire, qui ça compte tour opérateur, c'est des gens qui sont organisés pour mener les gens voyager dans l'autre pays. Et je dis, le nouvel élan que le pays a pris, le téléphérique que nous allons mettre dans la citadelle là, très, très prochainement, qui permet que nous allons mener 500 personnes chaque heure dans la citadelle là, vient faire que les touristes là, développement touristique là, nous avons réfléchi à l'autre genre. Aéroport international, Toussaint Louverture, que nous la donnons là, nous avons pour nous agrandir. Aéroport Okaï, qui vient pour venir à l'aéroport international. Aéroport au Cap là, nous avons pour nous mettre Jet Bridge, même genre avec Port-au-Prince là, pour nous refaire terminal là. Ça fait que nous avons préparé pour les touristes entrer dans le pays. Nous avons toujours été ensemble avec le président Jovenel Moïse qui a annoncé avant longtemps formation comité mixte qui prend le travail dans le développement énergie pour renforcer différents secteurs. Chef l'État haïtien yon l'autre côté fait appel à investisseurs pour intégrer dans la production courante pendant l'État haïtien a facilité entrepreneurs sa yo avantage dans le cadre de distribution courant dans la région qui pi rekile yo. On suit le président Jovenel Moïse dans le micro TNH. Montons une commission mixte rapidement qui prend le chita sous affaire développement tourisme, agriculture et énergie. Nous voulons parler d'une commission mixte qui prend le travail sous trois aspects sa yo, qui pour permettre que énergie électrique, là, parce que nous songeons, en janvier, il y a 19 mois. Ça veut dire, il faut que le pays ait un courant 24 sur 24. Pour le courant, ce n'est pas rester croisé pour nous, et puis pour courant venir. C'est nous-mêmes qui pouvons faire effort, j'en sais comment c'est fait. Dans les IWA, j'en sais fait semaine qui sont passée à la ANAC, Autorité nationale de régulation du secteur de l'énergie, que le directeur est en tête. Institution ça depuis le fin mois novembre, gon appel à manifestation d'intérêt qui sorti pour toute civil. Il dit tout le monde aujourd'hui qui a un désir, un entrepreneur, qui a envie de mettre courant dans une civil dans le pays aujourd'hui, ou pas dans quelle contrainte. C'est arrivé, fait of power, montrer intérêt pour capable de gens faire dans les IWA, pour choisir n'importe qui ville. Ou bider sous lui, et puis, l'État bordois pour produire, pour distribuer et pour toucher comme plateau. Maintenant, l'État qu'on a, ou gagne, si vous faites bénéfice, parce qu'il ne faut pas oublier, tout système ça va bien auditer. Pour avoir un système audit indépendant, qui est là pour auditer tout le monde qui n'a pas fait production courante dans le pays, dans le produit, distribuer et vendre. Pour leur vendre, quoi vous faire, si quoi vous faire, il ne pas permettre rentrer comme ou te fait investissement ou non, laisse l'État à venir pour garantir ça. Mais si quoi vous faire, ou faire comme investissement ou non, plus vous faire bénéfice, vous pas l'obliger de l'État taxe avec impôt sous bénéfice ou turbine qui a vient installer dans la centrale à Tibonite 4, c'est que n'a pas l'air. N'a profité fait qu'on est en vain le quitter pays Italie, président République l'ange Jovenel Moïse t'est rencontré communauté haïtienne nan, vendredi 26 janvier passé à nan hôtel Excelsior. Chef l'État t'est profité présenter assistance lan différents projets développement administration lian a exécuté en Haïti nan différents niveaux. On suit un reportage. Rencontre président Jovenel Moïse à communauté haïtienne dans le pays Italie, c'est une opportunité en plus pour chef l'État présenter assistance là, une série de décisions et puis différents projets de développement administration à exécuter en Haïti. Dans l'idée pour permettre pays à prendre j'arrête dans question infrastructure de base, économie, éducation, santé et l'autre encore. D'après chef l'État, changement total capital Haïti, c'est un rêve ambitieux que diaspora haïtienne doit encourager. Nous sommes en train de dire à nos partenaires que nous sommes prêts
à travailler avec eux, à faire ensemble avec nos partenaires. Mais nos priorités doivent être respectées parce que le développement n'est pas le fruit du hasard. Le développement peut se faire avec de très bonnes planifications. Et c'est ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui en Haïti. Nous sommes en train de planifier notre développement. Et dans ma campagne électorale, j'étais clair, j'ai parlé du développement endogène. J'ai dit que ce pays, il faut que les Haïtiens se regardent l'un l'autre dans les yeux pour dire nous pouvons faire mieux. Et c'est ce que nous sommes en train de faire maintenant. Malheureusement, vous n'avez pas eu la chance de visualiser sur cette vidéo, je ne sais pas si peut-être les techniciens s'ils sont prêts à vous faire visualiser la vidéo. Mais je dois vous dire que nous sommes en train de réaliser beaucoup de choses dans le pays. Nous sommes en train de travailler pour qu'après 5 ans, Haïti soit un pays fier. Parce que être un pays blanc, ce n'est pas une fatalité, c'est un choix. Et moi, je dois vous dire, sous mon leadership, Haïti veut sortir de cet enfer. Nous voulons faire Haïti et nous allons faire Haïti un pays émergent. Assistance là, te gen la donne, haïtien natif natal, ou soit petit haïtien qui fête en Italie. N'a présenté par exemple, Stella Jean, un designer origine haïtien qui défend l'image Haïti à travers Zev Lio. Je suis une styliste de mode et ce que j'essaie de faire, c'est de raconter le pays de ma mère, le pays dont elle est tellement fière qu'elle nous a passé ça, dans mes collections, dans mon travail. Et grâce à cet amour pour ce pays, on a pu présenter Haïti à Milan à la semaine officielle de la mode italienne. Et maintenant, beaucoup de gens parlent d'Haïti d'une autre façon, et pas seulement du tremblement de terre, mais comme un pays plein de ressources artistiques, historiques et autres encore. Je vais raconter, quand j'étais petite, je passais devant le salon et il y avait cette femme, ma mère, une femme très très forte et très très indépendante. Elle dansait toute seule avec la musique haïtienne, elle souriait et elle pleurait. J'ai toujours voulu comprendre qu'est-ce que ce pays a de si puissant, de si ensorcelant, qu'une femme si forte devient si tendre, même seulement en entendant la musique. Elle nous a appris, ma sœur et moi, l'histoire d'Haïti. Elle nous a fait connaître plein d'écrivains, d'artistes. Et c'est plus fort que moi, c'est ce que je dis souvent pendant des interviews. C'est dans mon ADN et c'est plus fort que moi, l'amour pour ce pays. Moi aussi, je n'arrive pas parfois à le comprendre. Rapidement, votre prochaine visite en Haïti, ce sera quelle occasion ? Ça sera toujours l'occasion des partenariats qu'on fait, de travail. Donc je produis des parties des accessoires et des tissus de ma collection en Haïti avec les artisans. Donc on fait des accessoires en papier mâché, en fer forgé. Et c'est une façon de promouvoir et raconter le pays. Président Jovenel Moïse fait remarquer qu'il est le temps pour Haïti suspendre vivre à travers aide pays étrangers seulement. Mais pour pays à grand monde tête li et définir propre priorité citoyen yo. Rencontre président République là à compatriotes haïtiens yo. 26 janvier, c'était dernière étape visite officiel chef l'État dans ville Rome, pays Italie. Nous t'ai parlé de ça dans grand titre tout, plaisir haïtien qui vivent dans pays États-Unis, dans État Floride. Décider mettre tête ensemble, une manière pour capable investir dans divers projets de développement en dans pays d'Haïti. Dans ce sens, ils mettent sous pied une structure qui porte le nom Brothers Investment Group International. Ils ont déjà commencé à étudier divers projets qui touchaient plusieurs secteurs.
plus passer 3 milliards de dollars américains. C'est montant l'argent qui est disponible. Ricardine Jean avec Jasmine Lorsemé a présenté nous un reportage. Une zone verte sous code Acadien avec renforcement et puis conservation de haïtien yo, c'est quelque part mes projets qui ont pour exécuter dans le pays a, grâce à l'initiative groupe haïtien Sayo qui a évolué dans l'État Floride aux États-Unis. 3,5 milliards de dollars américains déjà disponibles pour ensemble projet Sayo selon le président Boris Goupla, Anson Jean-Pierre. L'eau a consommé ou c'est pauvre. C'est le concept de l'ordre là. Les que ou c'est ou sont employés de soi ou c'est esclaves. Lorsque vous êtes simple employé ou esclave et pauvre. Centaines de membres nous combiner ensemble pour nous capables d'avancer avec le projet Haïti, le fait que vous êtes d'accord et répondre. Donc nous croyons que nous avons roulé en main sans projet, nous avons roulé avec $1.5 million. Plus passé en centaine haïtien était présent dans l'occasion de présentation Brothers Group là. Participant au salut initiative ça, yo souhaité Brothers Group pas prendre temps pour projet ça yo tourner en réalité. Son conscience spirituelle, mon conscience intellectuelle qui dit que l'idée pour nous réussir pour compte nous, l'irrévoltant, dans la mesure où vient aux États-Unis, où travaille, où réussit, et personnellement, et mon carrière, comme mon qui a pensé l'université, qui a pensé droit, comme avocat, etc., ou travaille pour un paquet de gros corporations américaines, ou travaille pour un dal billionnaire, ou travaille pour un gros paquet de gros universités, des gens qui ont des idées pour y réussir, et puis lorsque on garde des pour aller abandonner, non seulement l'abandonner dans les pays étrangers, mais la caille nous tout, nous censés abandonner. Donc nous disons pour qui ça, nous pas réunis en tant que cerveau, en tant que businessman, en tant que capitaliste, en tant que trader, en tant que banquier et en tant que scientifique pour que nous font bagaille, nous font bagaille de grande envergure, font bagaille qui m'a des respect, bon côté monde qui travaille, qui bon côté nous, que c'est blanc, que c'est noir ou que c'est l'autre nation, pour que on dit bon voilà, haïtien finalement, structure bagaille qui inspire l'autre monde venir investir avec eux, qui inspire l'autre monde respecter eux, qui inspire l'autre monde pour aller à Haïti. Nous croyons que ce bagaille important pour Haïti pour commencer à entrer dans la question économique. Et en tant qu'artiste qui représente Haïti dans plusieurs pays, et le seul problème que nous avons, c'est que nous produisons, mais nous pas jamais récolter financièrement. Je crois que Brothers, d'après ça, nous avons à ce soir-là, ils sont dérapement à l'avant, son bagaille, son révolution économique qui peut aider nous prendre l'art et la culture, nous venons faire le commercial. Pour des artistes qui sont capables de vivre de ça, fait. Et c'est ce parti ça m'a joué dans Brothers. L'initiative ça a pris 5 années avant de faire présentation officielle là. Brothers Investment de groupe international, c'est un groupe haïtien qui décide de mettre tête ensemble pour capable faciliter l'investissement dans le pays d'Haïti à travers le monde. Et pour ça, il y a déjà ensemble un projet qui vise le secteur de la pêche là, agriculture et le secteur énergétique là, qui n'ont pas trop long pour aller commencer à démarrer dans le pays d'Haïti. Et nous avons notifié pour vous que c'est on valait environ 2 milliards de dollars américains qui déjà disponible pour démarrer avec projet ça avec support l'État haïtien. C'était ensemble avec Ricardine Desanges depuis Fort Lauderdale pour TNH. Merci Ricardine ak Jasmine. N'a toujours été dans le même sujet ça pour nous faire qu'on a un ministre haïtien qui vive dans pays étranger yo, Stéphanie Auguste. Avec ministre agriculture, ressources naturelles et développement rural, Carmel André Béliard, qui était présent dans la soirée présentation projet Brothers Group International, félicité Haïtien Sayo qui décidait de mettre ensemble pour porter un support collectif par le peuple haïtien, qui a décidé d'investir dans le pays. Toutefois, ministre Auguste by garanti, ministère l'ab dirigé pour continuer travail avec entrepreneur Silayo. Sous Bopal, ministre agriculture Carmel André Béliard promet pour aider potentiels investisseurs Sayo, surtout dans projets qui concernaient secteur agriculture et la pêche. On suit. C'est des investisseurs et ouais, on mettait tête ensemble pour former en banque. Ça veut dire qu'il a financé des séries de projets. Et je pense avec ça, ça pourrait créer des emplois et ça pourrait permettre que Haïti gagne un autre visage. Mais un point qui est important, tout, nous avons que ils ont fait des projets qui mettaient en valeur tout secteur.
que ce soit secteur touristique, que ce soit secteur agricole, que ce soit secteur économique, agriculture, ça veut dire Yoshita vraiment. Et c'était un plaidoyer que, alors c'était un message que le président était passé, tout l'a été venu dernière fois dans la diaspora pour dire mettez tête nous ensemble pour nous venir avec un bagage concret, pour nous venir investir en Haïti. Alors on pensait que le message était clair et c'est toujours le même slogan, même message que le gouvernement a bâillé. C'est lui-même que nous-mêmes tous en tant que ministre diaspora, on a toujours bâillé toute notre diaspora et nous commençons ouais, et résultat. Alors on a souhaité que collaboration ça, groupe investisseur ça vraiment y aurait été soudé et puis Naptanio, nous toujours là et gouvernement paré pour ça justement c'est accompagner et encadrer pour que ça vienne vraiment concrétiser ça au besoin venir investir parce que nous là pour ça et puis gouvernement paré. Gouvernement t'es toujours bon l'autre vision de développement de pays. Ça veut dire qu'il voulait nous éloigner nous au plus en plus de l'assistana. C'est-à-dire pour nous tendre que c'est l'autre pays, c'est l'autre bailleur dans le cadre de coopération bilatérale, coopération multilatérale, qui dit qu'il y a une fin pour le pays, hein, par des dons, etc. Nous plus viser une ouverture vers et pour encourager investissement dans le secteur ça, de façon pour nous travailler pour l'agriculture rentable. Nous voulons que l'agriculture suspende d'être une activité plutôt sociale, mais plutôt une activité économique rentable. Et que le gouvernement, par le biais du ministère de l'Agriculture, est prêt pour encadrer tout groupe investisseur. C'est ça qui fait que il y a des entités qui sont déjà en place. Donc le CFI, le Centre de Facilitation des Investissements. Ensuite, au niveau du ministère, nous avons une cellule qui est le UPISA, Unité pour la Promotion des Investissements dans le secteur agricole. Donc nous sommes bien contents que diaspora, pas contenté pour battre l'estomac, pour quantité de cobre que vous voyez en Haïti, c'est un coup sous-tendu à travers certaines prises de parole. Il y a une majorité comme ça. Il y a dévié Haïti, là, il y a tombé l'autre pays dans les Caraïbes, là, puis vous voyez si vous étudiez, puis vous voyez l'autre pour une partie, etc. Mais qu'on y a, nous quoi avec groupe ça, qui n'a pas créé propre banque pour investir en Haïti, nous croyons une grande opportunité que nous-mêmes dans le gouvernement, nous ne pouvons pas quitter passer comme ça et nous avons créé toutes conditions pour que nous assurer succès investissement ça qu'a fait dans le secteur. L'autre information n'a poté pour nous dans le journal ça, directeur général Bureau Mines et Énergie, hein, Claude Prepty, répond aux questions lundi 29 janvier. Hein, membre commission sénatoriale, travaux publics, transports, communication sous risque sismique. Méthode sensibilisation, population hein, et puis installation quelques sismomètres dans différents départements géographiques PIA. Tenant mi-temps discussion, yo, d'après président commission, hein, sénateur Richard Hervé Lénine Fourcan. Parlementaire en plaidé dans son ça en faveur augmentation budget bureau mine et énergie dans projet loi financement. Cap gagnant pour venir devant Parlement haïtien pour permettre institution ça pi bien rempli mission li. On suivi en bout. C'est aussi nous remarquer que moi bon côté pas motivé en armée avec ce coup sismique qu'a fait là. Comme c'est moi responsable et comme tu effectivement moi même perdu toute forme dans tremblement de terre, m'étais prêté une attention spéciale sur ça qu'a passé ces derniers temps. Et c'est pour raison ça, m'étais fait ingénieur directeur général là, ingénieur Claude Petit est venu pour te donner plus d'explications sur ça me dit non. Parce que Jean, nous même là, nous te gommons effectivement en pile pour augmenter le budget, budget minant, pour te ranger tout appareil qui est en panne. Mais tout si y'a que nous avons besoin de nous, si y'a permettre nous jeunes que faut nous préparer nous, faut mettre nous ensemble pour nous préparer nous. Pour nous recevoir dans les jours, mais années tout, qui venir, parce que nous ne connaissons pas, parce que Fadio a secoué en pile, à droite, à gauche. Nous avons des données là pour vous, nous avons des données que nous allons montrer peut-être dans la caméra, que pendant les 6 derniers mois, on a pris en rouge, pendant les 6 derniers mois, tout le pays d'Haïti, presque, Fadio Sud-Lan, a secoué en pile. Et là, secouer son mécanisme comme cela, secouer, ça veut dire le Fofo Chita.
tout le temps chita c'est tremblement de terre, le tremblement de terre vient du et puis le chita chita bien. Mais tout autant ça, l'a secoué, l'a bon avertissement. Et puis ces derniers mois aussi, le mois de janvier seulement, nous gétons recevoir pour l'envers là, nous gétons recevoir 4 secousses. Toujours dans le sujet ça, Bureau Minak Énergie a travaillé ensemble avec le ministère éducation nationale et formation professionnelle pour mettre dans le programme l'école exercice simulation sous tremblement de terre d'après directeur général Claude Prepti. Ingénieur géologue Prepti qui rappelait Mézi qui déjà adopté dans le cadre surveillance sismique yo, fait qu'on est pendant le mois janvier 2018 l'an Haïti déjà recevoir 4 secousses. On suit. En termes de surveillance sismique, nous sommes capables de réjouir que nous avons un réseau qui permet de faire surveillance, de secousses. Donc, une fois que la terre a secoué, eh bien, le réseau a enregistré secousses. Nous faisons un bilan pour l'année 2017. Là, l'un prend les 6 derniers mois de l'année 2017, eh bien, avec l'appareil que nous avons gagné, bien que nous avons un pile qui est en panne et qui va le réparer, eh bien, nous avons enregistré plus que 13 micro-secousses. Dans presqu'île du sud là surtout et surveillance là te permet de nous comprendre que un paquet de micro secousses que nous enregistré autour de lac Azuéi et des micro secousses que nous enregistré tout dans la zone en Savo. Bon, c'est justement c'est sous faille là que vous voyez et ces deux extrémités faille qui ont secoué sérieusement parce que l'an mi-temps te bail tremblement de terre 12 janvier 2010 donc étudiant révélé que contrainte de dissiper dans la zone Léogane Grissier, mais l'extrémité faille, contrainte yo vient renforcer et c'est normal que nous avons des secousses à Okunia. Extrémité faille, ça, au côté où là. Donc, au grand premier faille qui traverse toute presqu'île du sud, là, depuis la zone Fonds Parisien, arrivé juste là pour Tiburon, donc il y a plusieurs segments, et le deuxième faille en nord qui passait entre la Tortue et Mont-Saint-Nicolas dans la mer. Donc, c'est deux failles que nous avons surveillées. Et il y a un paquet d'autres failles secondaires. Que nous avons identifié au fur et à mesure qui est capable de gros tremblements de terre dans tout le pays. Après le tremblement de terre de janvier 2010, la population est beaucoup plus sensible à phénomène de tremblement de terre. Donc, il faut plus comprendre ce que le tremblement de terre là, mais il faut que un travail qui est beaucoup plus spécifique qui fait dans le domaine pour que dans l'école, il introduit matière ça pour que tout le monde connaisse qui comportement pour gagner face à tremblement de terre. L'autre point nous t'est abordé dans Grand Titio, dans l'occasion 31e conférence lundi de la presse, ministre éducation nationale et formation professionnelle, Pierre-Josué Agénor Cadet, présenté lundi 29 janvier un grand dossier ministère SILA, spécialement nomination enseignant. Yo. Ministre Pierre-Josué Agénor Cadet fait connaître tout enseignant qui est dans sa classe. Abjoint lettre nomination yo si yo qualifié. En suivant bout. Tout d'abord, nous arrivons à joindre un budget pour nous rémunérer 2700 enseignants. Yo. Même si dans le processus de retard, qui fait pendant que nous avons parlé là, il y a 357 qui ont lettre nomination qui peuvent toucher, mais l'argent est déjà là pour toucher dans moi ça. Gagner tout étudiant école Lomalio. Nous t'arrivé régulariser yo même qui te doit toucher en octobre yo t'arrivé toucher avant l'air et bien qui ça réalité ayé pour prendre avec Sugo gagner en dette plus passé 1 milliard de gouttes pour année 2014-2015 qui vient tourner en dette publique et jodi a gen gros branle-bas gros travail qu'a fait dans ministère des finances pour traiter dossier ça pour y arriver éponger. Pour l'année 15-16, pendant la période là, l'équipe administration là dans l'an, li déjà résoudre le problème ça. Gen près de 90% enseignants, pronek, psugo, directeur, personnel de soutien qui déjà touché. Gen seulement 393 qui peuvent encore toucher, mais l'argent là. 2016-2017, eh bien c'est 3 années, nous prenons ensemble pour nous résoudre. Dans l'administration Moïse Lafontaine. 2016-2017, là lui-même, tout dossier, yo, plus, près de 7 000 qui sont sortis dans le coup de compte, ils ont déjà traité dans le ministère des Finances, ils sont en phase de finalisation. Côté gagné, l'Ouest qui est déjà touché. Depuis dimanche passé,
directeur départemental la tapsi un chèque pour l'Ouest. Actuellement, gen nord, nord-est, sud-est qui en préparation, qui déjà dans BNC pour y aller toucher. Maintenant, l'autre question comme problème qui était plus gros pour nous, qui était pour nous, c'est que nous joignons dans le système non, en situation qui va être chargée. Plus passé 4000 enseignants qui ont même dans la salle de classe, ils ont une lettre de nomination dans main. Eh bien, à plusieurs reprises, nous tentons de résoudre le problème ça, nous faisons face à des difficultés. Et je dis à la, nous te dit, nous allons être au mois de janvier pour tout le monde qui est dans le système dans la lettre dans main. Malheureusement, obstacle nous rencontrer fait une prolongation là-dedans. Mais je dis à gagner la primature, la présidence, OMRH, ministère de l'Éducation nationale, ils ont tous mobilisé sous question. Matin même, une équipe ressources humaines dans le ministère prend le travail de concert avec OMRH, de concert avec primature, de manière pour nous capables de raccourcir chemin pour tout dossier au prend pour ouvrir la signature. Et puis, quand nous prenons parler sur le dossier financement parti politique, ensemble avec parti politique bouclier, qui dit l'abservi avec 8,8 millions de gouttes li bénéficie dans le cadre application loi sous financement parti politique yo pour faire formation pour jeunes cadres yo et puis baye parti a yon pi bon représentation nationale d'après président parti ça Naoum Marcellus. Parlementaire qui salue application loi sila ouais dans décision ça. Bonne volonté, administration Jovenel Moïse-Lan, pour renforcer parti politique. Yo. Sénateur Naoum Marcellus qui promet rapport détaillé sous façon parti politique bouclier pral utiliser l'agence a souhaité bah, yon pi bon performance dans l'autre élection kap gen pou fèt en dans pays. En suivre. L'agence a pral permettre que nous fassions plus de formation pour jeunes cadres que nous gagnons. Parce que nous devons savoir que Bouclier, c'est une partie de masse et de cadre. Donc, continuellement, nous avons besoin de formation. Ça va permettre que nous mettions plus de structure dans la partie. Et ça va permettre que dans le jeu électoral qui va venir en 2021, Bouclier a une meilleure position sur l'échiquier politique. Parce que ça va permettre que nous financions les membres de nous. Parce qu'en pile fois, c'est dans la dette partie à terre et que nous pouvons payer la dette, mettre le fait local, mettre le bouclier comme une institution politique. Donc, pour nous-mêmes, dans les premiers trois mois que nous avons, comme nous avons l'air pour un an, nous avons produit un rapport par l'État d'Haïti pour nous dire, mais ça nous fait de gestion de ça que nous mettons à disposition. Nous, parce que, quand même, je remercie le président Jovenel Moïse et l'autre parti autour qui était accepté à venir en concurrence avec Bouclier dans l'élection. Donc, quand on y a là, nous avons un cadre pour implémenter Bouclier sur toute la République. Ça fait que l'agence, ça pourra permettre que nous travaillions au maximum. C'est dans l'élection, nous avons des gens qui sont élus. C'est dans l'élection, nous avons des gens qui sont perdus. Donc, nous avons préparé nous en conséquence. Quand nous respectons le point de vue de chaque parti politique, parce que la démocratie, c'est salié. C'est alternance politique. C'est discernement politique. Donc, c'est normal. Il y a un parti politique qui choisit l'élection, qui choisit la manifestation, tout qui choisit faire formation. Dans le temps, dès qu'on est au PL, c'est un parti politique qui a fait formation pour 4 ans. Donc, il y a un parti qui a habitué pour pouvoir déjà. Je ne sais pas si c'est l'État qu'on fait. Mais nous-mêmes, dans le bouclier, nous respectons la démocratie. Le fait que nous acceptons pour pouvoir l'élection, c'est dire oui à la démocratie, c'est dire oui à la stabilité politique, c'est stabilité politique qui va stabilité économique pour que quoi ça développement pour payer à changer. Je nous ai annoncé le moment arrivé pour nous prendre en bout, pas déplacé, nous retournons tout de suite avec l'autre information. Ou bien pour faire un choix, mais c'est où qui pour faire choix qui est plus intelligent. Yon choix qui permet de gagner une société qui est plus moderne, à une machine agricole qui est plus performante, à un développement plus smooth qui peut mener en plus loin. Objectif Lille Mobile, c'est bon résultat pour assurer satisfaction chaque mois. Lille Mobile.
mobile, c'est qualité et performance qui fait partie de toute activité que nous reprenons chaque jour dans la vie. Dans le développement société, quel que soit le domaine où nous évoluons, l'huile mobile toujours garantit bon fonctionnement moteur tout appareil à toute machine. L'IPAP jamais la guerre dans la route. Et les partenaires à 100%. L'huile mobile pour moteur dirait plus longtemps. Vieux caoutchouc sin top tête chat ça yo encore. Mais pas gamin, c'est sale caoutchouc qui sont dans top taise pour mettre en bas votre machine nous. Ou je yo tout côté pour les caposer. OK. Pas oublier top taise. C'est fun wash, chire route, quoi chiclou. Ah, gonji boule m'bajoué. Vendez-moi 4 caoutchoucs d'homme. De quel gros cher vous voulez? Quoi? Top talent, c'est fun wash, chire route, quoi chiclou. Merci parce que nous avons toujours été branchés Journal Lens ou Télévision Nationale d'Haïti. J'en t'ai annoncé dans le grand titre tout. Kouyo pas recommencé dans la faculté sciences humaines lundi 29 janvier. Jean Saté annoncé malgré étudiants qui répondent présent. Mon personnel administratif lan ak professeur yo pas de présent. Yon équipe Télévision Nationale d'Haïti te visite local faculté à matin. On suive ki jan santé dans un reportage John Herbica Seus ak Hervé Pierre. Malgré avis conseil coordination faculté sciences humaines te mette de yo pour annoncer reprise kouyo lundi 29 janvier 2018 la nan faculté a, activité yo toujours été paralysée dans institution sa. J'en suis capable de constater ça. Toute salle classe vide, pas de professeur, personnel administratif n'a pas mis les pieds. C'est quelques étudiants qui viennent garder qui j'en saye dans l'espace. Étudiants ont dénoncé le comportement responsable de l'université. Ils ont fait connaître, ils ont monté et descendre dans la faculté pour rien. Non, mais ce n'est pas la première fois. Ils ont réouvert là après la fermeture. Là, donc, ce n'est pas un espoir vraiment. Ce n'est pas la première fois qu'ils viennent là tout pour grand merci. Ça vient tant qu'on a habitude. Kouyo yo pa vraiment commencé donc nous pa konnen ki empêchement pou se gagner mais nous espérons semaine k'ap vini pour kouyo reprendre quand même. C'est un seul cours qui rivé fait pendant matin là yon cours c'était deuxième. C'est étudiant finissant nan bon même mémorant même parce que mémoire m'ap travail ki donc vinn nan bibliothèque là ou pa gon espace koto ka étudier là par rapport avec Jean Faculté vinn nan bibliothèque nous ouais Jean Faculté est là m'son étudiant mémorant dans département sociologie besoin finicia nous pas qu'attend ici nous besoin finicia
nous besoin fini ici a gon bon étudiant besoin fini ici pour passer notre étape famille nous compter sur nous étudiant ça va demander quoi oui moi besoin pour tout besoin fini ici a gon bon étudiant besoin fini ici pour quitter étape ça parce que faut nous progresser dans la vie nous-mêmes ça fait environ 11 mois depuis activité académique au campé dans faculté sciences humaines qui ça qui empêche l'état prendre décision pour remembrer université l'état ces questions jeunes universitaires pas suspendre poser en dans pays a. Et puis, quand on a fait qu'on a un nouveau directeur départemental qui est installé pendant le week-end dans en tête entreprise publique promotion et logement social EPPLS dans le département Latibonite et dans le département Nord-Ouest. Darlene Dorival et Henri Robert Chéri, t'es sous place, y a un reportage. Cérémonie ça a déroulé en présence délégué départemental. Et c'est directeur général EPPLS là qui installé ingénieur Delphis Enoch dans Gonaïve et Polycarp Saint-Lucien dans Port-de-Paix. Dans le cadre de la cérémonie, le directeur général EPPLS là, Yvon Bistret, fait connaître l'administration Jovenel Moïse là, à travers EPPLS là, une mission pour accompagner Silayo qui n'a pas gagné un gros moyen. Le gouvernement Moïse Lafontaine, eh bien, il a une bonne mission comme directeur général EPPLS. Pour mettre en œuvre, mettre en application politique nationale des logements sociaux. Eh bien, qui se permettent aux populations qui sont plus vulnérables, familles vulnérables, familles à revenus modestes, gagner un logement décent pour dormir, un logement qui va coûter un peu l'argent, mais qui est bon logement. Nouveau directeur, il fait qu'on ait le travail avec toute l'autre instance, dans l'idée pour faire travailler comme ça doit. Direction ça, pour le mettre dans travail rapidement avec tout élu local, l'autre direction départementale, ONG, Jean directeur Adia, délégation, sénateur et député, ensemble avec responsable caravane changement, pour que nous goûmen pour garder ça nous faire dans le domaine. Et logement. Nous allons nous mettre immédiatement au travail dans l'objectif de contribuer à la concrétisation de cette noble mission. Entre guillemets, faciliter aux familles haïtiennes, surtout aux plus faibles des revenus, à l'accès à un logement décent. Entreprise publique promotion et logement social, EPPLS, c'est une institution qui existait depuis 1982. Mission s'est construite à gérer la question logement dans le pays. Merci Darlene et Robert. Nous allons poursuivre ensemble avec responsable Confédération nationale vaudouisan haïtien, KNVA, qui présentait lundi 29 janvier ensemble projet au comté démarré à Nessa pour permettre secteur vaudois puis bien fonctionner. Série projet SAIO d'après responsable SILAIO a fait dans l'idée pour marquer 10e anniversaire KNVA. Un suivi reportage René d'Orléans avec Henri Robert Chéri. Sorti l'année 2008 pour arriver l'année 2018, ça fait déjà 10 ans environ depuis diverses organisations dans le secteur vaudois mettaient campé Confédération nationale vaudouisant haïtien KNVA. Dans l'idée pour marquer 10e anniversaire, responsable compte réaliser plusieurs activités pendant l'année. 10 ans depuis discussion, on a continué avec pouvoir l'État, société civile, organisation internationale, corps diplomatique et consulaire. L'autre religion qui gagne dans le pays, dans la manière pour que KNVA continue à jouer le rôle et puis, bail vaudou à direction qui a permis d'occuper la vraie place dans la société haïtienne. Je dis à KNVA travaille d'arrache-pied pour socialiser le secteur. C'est pour ça qu'il monte plusieurs projets qui doivent exiger commencer l'année ça pour arriver 2021. Ça qui paraît, c'est Badi conceptuel là qui c'est péristyle communautaire. Kay Papa Loko qui c'est forêt sacrée. L'école pour petits vaudouisans. Création richesse premier à assurance mortier qui a lancé 19 mars. Campagne éducation civique, alphabétisation. Responsable affaires sociales KNVA, Walton Bertrand, bon côté parle dénoncé persécution li estimé secteur vaudois absibi. Walton Bertrand, plus loin, expliquait
quelle que soit religion, a un droit fonctionner dans pays a sans le pas obligé subir persécution. Nous levons voile bien fort pour nous voyer en pinga par tout secteur qui a fait manœuvre pour persécuter vos douisans, bouler péristilio, maltraiter yo, courir derrière yo, mettre yo dans maon et puis voler bien yo. Nous demandons au gouvernement pour lui prêter un pile attention pour appareil répressif l'État, tant que la justice avec la police, par service outils dans l'attaque qui a fait contre vaudouisans sous base religieuse. Nous demandons tous vaudouisans pour y'a été tête frette, pour y'a pas prendre un craponaille ni dans aucune provocation. Pour y'a pas bail aucune menace verbale, ou sinon écrit, valeur. Mais c'est pour y'a été vigilant. Pendant y'a prend toute disposition pour y'a parer, pour y'a nous défendre tête nous, avec famille nous. Frères et sœurs, moi qui n'a vaudou, qui se vaudouisant, pratiquant. Mon premier ministre, c'est un homme d'État. Même si l'État fou, il y a un bagage, il n'y a pas qu'à ni dit ni fait. Et puis, nous-mêmes, bon côté par nous, nous connaissons. Haïti, c'est un pays à bobo. Si à maintenant, il y a place, li, c'est parce que nous-mêmes, vaudouisants, qui constituent la majorité de notre pays, nous respectons le principe de vivre ensemble, le principe de tolérance. Non, tous les vaudouisants, Ati national, qui c'est Joseph Fritzner Koma, décrété l'année 2018 là, comme une année tête ensemble pour célébrer 10 ans d'existence KNVA. Dans le mois de mars, les dirigeants de KNVA prévoient réaliser diverses activités pour marquer 10 ans d'existence. Dans ce sens, ils ont invité les gens dans la population à participer à eux. Nous continuons plutôt avec mairie Cité Soleil qui lançait une campagne nettoyage samedi 27 janvier passé à non commune Silla. Activité ça qui sous 7e édition d'après magistrat adjoint Joël Jaméus, c'est pour pas commune là un autre visage. Dans ce sens, ils ont engagé environ 300 personnes pour faire travail ça d'après magistrat qui était tout profiter, mandé SMCRS à travaux publics pour accompagner. Il y a un extrait dans le micro Richardson Jourdan avec Bernard Marseille. Nous avons environ 300 personnes dans la rue, mais j'aime dire que c'est un travail volontaire. Ce n'est pas activité l'argent qui est lié, c'est emploi et la mairie, c'est Conox, collectivité et bon, Notabio. C'est organisation de base, c'est une série de monde et de bonne volonté qui choisit de faire cette 7e édition ça avec nous, jeudi. Et nous avons SMCRS tout, qui est avec nous là jeudi, qui bail matériel pour aller, camion, l'odeur, pour nous capables de ramasser fatra. C'est dans toute commune, nous commençons avec Cafou Vincent, c'est la 7e édition. Côté qui n'a pas pris fatra la caïmounio. Mais cependant, jeudi, nous commençons à bon mairie Cité Soleil, pour un Cafou Vincent pour arriver dans le Divivier. Et nous prenons fatra tout nous dimounio, tout le monde en plein nan, vite mettre fatra nous dehors jeudi, et pour mairie Cité Soleil, ramasser les et ajouter le tout. Et nous avons environ 6 tricycles qui passent pour un fatra à la caïmounio. Nous gagnons le mercredi, le jeudi, le vendredi, nous prenons dans différents quartiers d'une façon pour nous capables de satisfaire chaque quartier. Mais cependant, besoin de nous, il y a un gros problème actuellement là dans la Rivolsi. Si la pluie qui tombe là, il nous décaille, en pile de l'eau la caille dans la Rivolsi. Mais cependant, nous connaissons qui fait ça.
c'est question canal yo depuis on t'il a pli tombé par exemple dans Keskov on t'il a pli tombé Pétionville tombé Port-au-Prince tombé Tabar même elle pas tombé Cité Soleil il y a un problème en fait on pense que caravane ça il va aider moun Cité Soleil en pile spécialement dans gros canal yo. Moment arrivé pour nous prendre l'autre pause. Là, nous retournons, nous prenons l'autre bord de l'eau. Restez branchés. Nous tendons ça au mandé. Et nous avons tiré toute limite. Parce que l'on perdit sans fin payer, ça n'est pas bon même. Koulia, ça fait perdre data et de la fin. C'est celle d'Issel qui va rouler illimité sur data et de la fin. En écrit, nous avons plein de gros lois avant d'y expirer. Et puis, qu'il y ait tout ça au fin payer. Pas jamais se perdre encore. Allez sur l'application MyDigicel, la Koulia, et puis achetez plein de volo par là. Digicel. Oh! Au service de la communauté, l'Université épiscopale d'Haïti, composée de 10 facultés, vous offre un programme de licence en 4 ans. Sciences informatiques, faculté de médecine en 7 ans et des sciences de la santé. Les étudiants en médecine ont à leur disponibilité l'hôpital Sainte-Croix de Léogane qui assurera leur stage et service social. Sciences administratives, dont la gestion des affaires et les sciences comptables. Faculté des sciences de la communication et des relations publiques. Sciences de l'éducation, sciences religieuses et celle des sciences agronomiques en 5 ans. Sans oublier ces facultés affiliées en province, dont la Faculté des sciences infirmières et sciences de réhabilitation à l'Erogane et Business and Technology Institute dans la ville d'Ekaï. Il existe également un programme de master en sciences informatiques à Port-au-Prince et en sciences infirmières à l'Erogane. À l'UNEF, les cours sont dispensés par des professeurs haïtiens et étrangers chevronnés et qualifiés. Les inscriptions sont en cours jusqu'au mois d'octobre. L'UNEF, qui vous offre une nouvelle session tous les 6 mois, confirme que l'éducation sous toutes ses formes et à tous les niveaux est l'un des plus puissants outils à notre disposition pour effectuer les changements nécessaires permettant de réaliser le développement durable. Passez au numéro 14 rue Légitime Chaudemars, à côté du musée d'art, ou composez le 33 12 75 58 31 21 86 61 22 27 79 62 et 22 26 87 52. L'Université épiscopale d'Haïti pour mieux vous servir. Et je nous ai dit l'avant-pause là, nous parlons dans l'actualité en l'autre bord de l'eau pour nous faire connaître dans le cadre de célébration 165e anniversaire de naissance héros indépendance cubain José Martí. Il a un statut héros dévoilé dans La Havane dimanche 28 janvier 2018 là. Statut ça, c'est un cadeau État New York fait La Havane. Président cubain Raúl Castro présidait cérémonie ça. En présence représentant magistrat Ville New York. Là. On suit. Ville New York offrit la Havane un statut José Martí, Eurocubéen, dimanche 28 janvier 2018. Là. Cadeau sa inauguré 28 janvier, à date José Martí te prend naissance. C'est chef l'État cubéen Raúl Castro qui présidait cérémonie inauguration ça en présence représentant Mise Bronx et Mairie New York. Là. Dans ces circonstances, Mise Bronx a organisé un collecte don pour réaliser un lot statut même genre. Qui c'est Eve américain Anayat Huntington. Environ 2,5 millions de dollars étaient ramassés. N'a souligné Cuba a traversé une période critique dans relation avec États-Unis depuis rétablissement diplomatique yo dans l'année 2015. Merci Betty. Et puis après inondation dans ville Paris, capitale française, de l'eau arrivée à 5,85 m lundi 29 janvier. Niveau de l'eau a dû baisser à partir de demain mardi 29 janvier hein, et puis 30 janvier hein, plutôt et puis retourner dans normal yo après plusieurs jours. En pile intervention a persisté sous dégâts potentiels yo pour région parisienne hein, avec plusieurs départements aux alentours qui toujours sous vigilance rouge. Dans ça qui gagne ouais à transport, 7 gares parisiennes qui situées tout près fleuve La Seine après été fermée au moins pour juste 5 février. Fleuve s'il a débordé après plusieurs gros lapis qui tombaient pendant dernière semaine ça yo d'après météo français. Mois décembre avec janvier, c'est 2 mois qui te baille plus lapli. Journal arrivé dans bout li mais avant nous aller me rappelle grand titio. Thank you.
président République là, Jovenel Moïse retourné dans pays an dimanche lan, après visite li dans pays Italie côté le chita palé à Tokay italien li Sergio Mattarella et puis Papa François. En va quitter pays Italie, chef l'État t'a rencontré membre communauté haïtienne non, en Italie. Ministre éducation nationale et formation professionnelle là, Pierre Josué Agénor Cadet présenté aujourd'hui à grande ligne action ministère menée pour améliorer système éducatif là. Ministre là, a participé dans 31e conférence pour la presse qui déroulait aujourd'hui à dans cadre programme lundi de la presse ministère communication organisé. Plusieurs haïtiens qui vivent dans le pays les États-Unis dans l'État Floride décidé mettre tête ensemble une manière pour capable investir dans divers projets de développement dans le pays d'Haïti. Dans ce sens, yo mettez sous pied une structure qui porte nom Brothers Investment Group International. Plus passé 3 milliards de dollars américains déjà mobilisés dans le cadre de projet SILA. Kouyo Parivé reprend la faculté sciences humaines lundi 29 janvier à Jean Saté annoncé. Faculté a fermé depuis environ yon l'année. Et puis, dans le cadre de célébration 165e anniversaire naissance euro-indépendance cubain, José Martí, yon statut héros a dévoilé non la Havane dimanche 28 janvier 2018. Là, statut ça, c'est un cadeau est à New York, fait la Havane. Merci tout le monde qui t'a suivi. Premier sorti journal pour semaine ça en présentation, c'était Linella Sandra André. N'a remercier toute équipe là qui t'est mobilisée pour te révérendre ni possible et n'a souhaité nous toutes une fois encore une très bonne semaine mais surtout une très bonne soirée sous Télévision Nationale d'Haïti. Au revoir.